Bon, donc pour les sièges, ce que je vais faire, vu que ça coûte super cher des sièges assis debout pour bateau, j'ai pas envie de dépenser 200 euros juste pour deux sièges sur ce bateau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bricoler des sièges. J'ai récupéré des chaises de bureau. Voilà, vieilles chaises de bureau, mais ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est le vérin et la platine au-dessus. Ensuite, je vais rajouter un pied, je vais faire une platine pour fixer sur le bateau et rajouter le siège dessus. Et pour presque rien, j'aurai mes sièges, mes deux sièges pour le bateau. Donc, il me reste encore celui-là à sortir. On sort le vérin et la platine, et puis c'est parti. Bon, voilà les sièges sont terminés. Ça mérite quelques petites explications. Donc comme vous avez pu voir, ça, c'est de la récup, c'est des vérins de sièges de bureau que j'avais récupéré. Ça, c'est un petit tube en alu. Il n'y en a pas pour beaucoup. Hein. Ça a coûté 30 euros, c'est le seul truc que j'ai acheté quasiment. Ça, c'est de la récupération du coup. Le tube, 5 euros. Ça c'est de la tôle en aluminium, j'ai découpé juste un petit rond en tôle dans la tôle, enfin deux ronds, c'était un peu galère mais j'ai réussi, que j'ai vissé. Et comme vous avez pu voir à l'intérieur, voilà.
À l'intérieur, c'est un manchon de tube en PVC que j'ai mis, qui a pile le diamètre, un raccord de tube PVC. Donc il avait pile le diamètre 50, qui est le diamètre de mon tube en alu. Donc l'avantage, c'est que c'est ajusté au millimètre et ça bouge pas. Et en dessous, comme vous avez vu, j'ai mis du bois. Donc ça fait un siège facile. Par dessus, je vais essayer de trouver un bouchon, genre un bouchon de tuyau de piscine qui est plat, pour pouvoir marcher dessus sans que ça gêne quand il n'y a pas le siège. Mais après, même si le trou est pas énorme, mais bon, pour que ce soit plat et qu'on puisse y mettre le pied sans que le pied rentre dedans, on mettra un petit bouchon. Donc les sièges, le coût de revient à 35€ à peu près par siège, au lieu de plus de 150€ acheté neuf. Donc on verra ce que ça tient. Si vous le faites, que je ferai peut-être plus tard moi. Hop. Bon, moi j'ai hésité, ce que j'aurais dû faire, ce que je ferais peut-être après si ça tient pas. Je l'ai enfoncé juste en force là. Mais ce que j'aurais pu faire, c'est enlever la peinture et faire une brasure avec de la pâte à brasure et une brasure à l'étain directement pour que les deux ne bougent pas et qu'ils soient bien solidaires l'un de l'autre. Sinon, il faut avoir une presse pour le rentrer le plus fort possible. Moi, j'ai juste rentré en tapant dessus. Donc ça peut-être se défaire à ce niveau-là. Mais si ça se défait, c'est ce que je ferai. Je ferai une brasure à l'étain pour que ça bouge plus.